Et salut tout le monde, c'est Sanji 30 000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Kart. Oui, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré mon volant dans les cartons de ma Wii. Il est magnifique ce petit volant là. Nintendo, incroyable. Bon, il est un petit peu jauni au niveau de la gâchette B, mais bon, ça, on n'y peut rien. Allez, c'est parti, un joueur, et on va faire du coup les deux dernières courses, à savoir la coupe spéciale et la coupe éclair, je crois. Je crois que c'est ça. Allez, Grand Prix, c'est parti, donc 150. Alors, le miroir, non, hein, clairement. La dernière fois, on avait pris le Mi, on avait pris Bowser Jr., j'ai fait des parties exceptionnelles. Voilà, je me suis rattrapé, on va dire ça comme ça. Et j'ai envie de prendre un perso lourd, tiens. Allez, pourquoi pas Harmony, parce que on sait très bien que ça va être pourri, cette vidéo, hein. Parce que j'ai le volant, je prends un personnage lourd, c'est compliqué. D'ailleurs, le Turbo Flash, c'est pas la voiture qu'on a dans Mario Kart Double Dash. Il me semble, hein. C'est pas celle de fin, là? Genre la voiture dorée? Ah, peut-être. Je sais pas. À mon avis, ça doit être ça, mais je sais pas. Sinon, je crois que... En voiture pour Mario, enfin pour tous les personnages standards, il y a... Ah, je l'ai pas débloqué, je crois. Eh ben oui, il y a du coup le Falcon, le Blue Falcon. Il est pas là? Ah ouais, je l'ai pas débloqué. Alors attendez, Birdo, est-ce qu'elle est là? Non, non, mais de toute façon, c'est un personnage standard. Un personnage bébé, peut-être? Du coup? Ah, voilà, non, c'est ça. Ok, c'est pour les personnages très légers. Enfin, légers. Ok, Blue Falcon. Donc vous voyez... Il y a la petite voiture de F-Zero. Et bien évidemment, quand on prend Harmony, on pense directement à prendre le kart Piranha. Bien évidemment. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, Flora Piranha devait être jouable dans le jeu. Parce qu'ils ont trouvé, je crois, son emblème dans les codes, tout simplement. Donc manuel, hein, bien évidemment, parce que c'est le fun. Et on va du coup faire la coupe spéciale. D'ailleurs, il y a l'autodrome Harmony, je crois. Enfin, il y a un truc passage clair de lune. Route claire de lune. Route claire de lune. C'est pas du tout un truc avec Harmony. Hein. Ouais, du coup, la route claire de lune, j'aime beaucoup. Les ruines sec-sec avec le petit Yoshi Pharaon, là. Je trouve ça vraiment sympa. Franchement, c'est l'un des seuls circuits de sable que j'aime bien, on va dire. Mais bon, il est jamais revenu après. Quoique, dans Mario Kart 7, peut-être. Je sais plus. Alors, comment on joue ce truc, déjà? Oh là 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 là. Oh là là. Alors, on... C'est comme ça, d'accord. Oh là 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 là. Oh, ça va être nul. Cette vidéo va être nulle, je le sens. Comment on utilise les items? Mais non, attends, c'est la croix pour utiliser les items? Mais c'est naze. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont fumé quoi là? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il y a un petit Luma qui se trimballe là? Je crois que j'ai vraiment jamais joué à Harmony. Enfin, peut-être, genre une fois quand je l'avais débloqué à l'époque. Elle ouvre la bouche! Mon kart ouvre la bouche, mais c'est le meilleur kart du monde. Mais je tourne à fond. Allez, mais tourne de l'autre sens, quiche. Allez, on y va, go, 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 go. Super. Oh, j'ai l'impression d'être dans la vie réelle, là. Ah. Bon, par contre, on se coupe pas son volant, hein, pour faire des figures dans la vie réelle. Je vous assure. Wouhou, oui, c'est parti. Allez, go. Oui, non. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui. Non mais là, vous m'avez... Vous niquez ma course, là. Vous m'avez défoncé ma course. Non mais... Non mais... Mais non mais... Allez! Tourne! Voilà. Je vous assure que ce volant, c'est une infection. Allez, hop. Ok. Qui joue le volant dans Mario Kart Wii? Genre vraiment? À part une fois pour que ce soit drôle. Tiens. Tu touches pas Harmony. Attends, il s'est pris pour qui, lui? Oh, la carapace, elle a fait un vol plané. Tiens, Luigi! Mais non, mais... C'est le Swooper qui se l'est prise. Wouhou! Oh, elle ouvre la bouche, elle est trop mignonne! Oh, le pot! 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 Ah! J'arrive pas à tourner! Mais non, mais le pot qui dégagez! Sortez! Sortez de ma trajectoire! Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Allez, hop! Oh, elle fait des belles figures, hein! C'est des meilleures figures que dans Mario Kart 8 de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Mais, non mais vous voyez, il n'y a que à moi que ça arrive ce genre de truc, quoi. Ouais, bah non, hein. Ça, on va éviter. Comment on voit? Genre, ah mais on peut... On peut tourner comme ça aussi, d'accord. On peut appuyer ici. Ouais, mais c'est nul, hein. Mais c'est nul! Le volant, c'est nul! Allez. Oh, avec la route arc-en-ciel, ça va être trop drôle. Ça va rentrer dans un best-of, ça, j'en suis sûr. Allez, mais tourne! Oh là là, mais tourne! Elle est con ou quoi? Mais... Allez! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça! Wouhou! Ok.
Une bille balle pourrait me sauver. Ça serait sympa, hein. Non? Ok, d'accord. Oui. Ok, ok, coupa. Oh, dommage, dixième. Bon. Mais au moins, vous voyez, je peux me dire... C'est parce que je joue avec le volant. Je peux dire ça. Ok, 2 points. Je crois que j'ai jamais fait aussi nul dans Mario Kart Wii. Alors, comment on fait? Ah oui, non mais il faut vraiment, genre, incliner le volant à fond pour avoir le capteur. C'est n'importe quoi. Ah, la route claire de lune. J'aime bien ce circuit, vous voyez. J'aime beaucoup ce circuit, mais le problème, c'est qu'avec le volant, ça va être n'importe quoi, quoi. Vraiment. Non mais, ce circuit, il est revenu dans Mario Kart 7, je crois. Ça fait longtemps que j'ai plus rejoué à Mario Kart 7, je peux pas vous dire, mais je crois qu'il est revenu quelque part. Allez, c'est parti. Go. Mais non, mais... C'est quoi cette musique? Ah si, je m'en souviens. Si, je m'en souviens. Ok, je m'en souviens de la musique. Mais il y a un passage... Mais oui, il est revenu dans Mario Kart 7, ce circuit. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un passage avec un deltaplane. Mais oui, ici, je m'en souviens. Oh là là! C'est quoi ce cri là? Débile. Allez, tourne. Tourne. En fait, je vais pas faire des dérapages, hein. Ok. Bon, on va suivre le sens de la route. Vous êtes contents? Allez, on met les clignots, dérapage. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Et la dernière fois, vous vouliez pas me donner une billball? Alors que pourtant, j'étais plus loin, hein. Non mais... Non mais... Ouh, on reste calme. Allez. Yeah! J'adore comment elle fait Harmony. J'adore la voice line. Mais d'ailleurs, je crois que Harmony a changé de voice line depuis. Eh ouais, c'est dommage d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Ok. En fait, je vais vraiment que compter sur la billball, quoi. Tourne! Tourne. Non, mais c'est pas possible, je vais pas garder... Je vais pas garder le volant pour toute la vidéo, c'est pas possible. Non, mais non. Mais regardez, tout le monde se prend les voitures, c'est quoi ça? Alors que pourtant, c'est en 150cc, hein. Normalement, tout le monde devrait être à peu près bon. Genre, vraiment. Ok. J'ai cru me prendre la voiture. Oh là là, les pauvres voitures. Alors là, il y a des voitures bombes, des fois. J'ai bien fait, je crois. Ok, la voiture bombe. Attention. Dérapage, contrôlé. Ok, super. Je savais pas comment on évitait le pot avec le volant, mais ça a dû marcher. Ok. Tiens. Oh là là, mais c'est pas mal, je suis deuxième, alors attendez. Il se passe un truc, là. Il se passe quelque chose. Oh. Pauvre bébé Mario. Ouh. Ok, je voulais pas défoncer ma voiture. La voiture Piranha. Oh, magnifique. La voiture Piranha, elle s'est fait défoncer tout le long de cette vidéo. Allez, hop. Non, mais la route arc-en-ciel, ça va être infernal, je vous assure. En plus, il y a le château de Bowser. Il y a que des circuits bien dans la coupe spéciale. Enfin, moyen... Oh, qu'est-ce qui se passe? Non! Vite! Non, Mario! Je t'ai eu tout à l'heure. Non. Oui! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle est contente! Elle ouvre la bouche, elle est contente. Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, premier avec le volant. Mouais, hein. Mouais. Ouais, allez, c'est pas grave. Château de Bowser. Il est jamais revenu ce château, c'est triste. Avec le Bowser en colosse là. Le petit Bowser qui nous balance des trucs. Mais d'ailleurs... C'est la troisième fois qu'on a un Bowser comme ça qui nous gêne pendant le circuit. Dans Mario Kart GameCube, il y en avait un. Donc dans Double Dash, dans le circuit de Bowser, enfin dans le château de Bowser, il y en avait un. Dans Mario Kart DS, il n'y en avait pas de petit Bowser qui nous défonçait comme ça. Dans Mario Kart Wii, du coup, il y en a un. Et dans Mario Kart 8, il y en a un aussi. Mais ça va, quoi. Hein. Tiens. Oh, ok. Personne s'est pris mes bananes. C'est pas cool ça. Pourtant je les avais placés avec entrain. Non. C'est pas ça qu'il faut faire, hein. Clairement. Ok, donc il faut faire attention, voilà, parce que... J'aurais peut-être dû utiliser la billball. Je ne sais pas, hein, mais peut-être. Je
dis ça comme ça. Oh, le Luma, il est gentil. Allez, le Lumi. Non, mais non. Ok, c'est bon. La Bilball, allez, vas-y. Non, mais non. Ok. Ok. Non, mais j'ai le volant, les gars. Pourquoi vous me donnez ça, quoi? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Allez. C'est parti. La musique, j'ai plus aucun souvenir, par contre. Hein. Vraiment. Oh là là. Ok, c'est bon. Après, il y a des geysers de feu, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'était cool ce circuit parce que ça nous montrait qu'on pouvait débloquer Boo et Skelerex. Enfin non, Skelerex il est déjà de base je crois, mais ça nous montrait qu'on pouvait débloquer Boo. Parce que en fait vous voyez il y a une affiche à la fin et je crois que c'est sur la coupe spéciale qu'on pouvait débloquer le roi Boo. Enfin il fallait faire genre un bon score sur toutes les nouvelles coupes. Et du coup comme on terminait avec la coupe spéciale si tu faisais un bon temps, eh ben tu te disais ah ouais j'ai débloqué roi Boo parce que je l'ai vu et tout. Alors que pas du tout. Bon bref, je sais pas pourquoi je dis ça, n'importe quoi. Oh! Tiens. Wouhi! Allez, c'est parti. Ouais! Yeah! Ok. Ok, c'est parti. Let's go. Oh là là, mais en fait, je me fais carry que par les items. C'est vraiment ça. Allez, c'est parti. Yeah! Vas-y, Harmony! Non, mais non! Tourne! Mais tourne, Harmony! Oh là là! Il va me voler mon item, j'en étais sûr. Allez. Ok, c'est parti. Go, 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 go. Non, 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 tombe pas. Oh là là, j'ai évité le poteau. Ok, bon. Le volant plus jamais, hein, c'est terminé. Non. Allez. Vas-y. Parfait. Il va me donner des champis. Oh, j'en étais sûr. Yeah. J'adore la voice line, quoi. Elle est ouf. Oh là là, oh mince, dommage. J'allais dire, oh là là. Oh, Waluigi. J'allais dire ce dérapage qui était maîtrisé, alors que pas du tout. Ouais, non. Allez. Oh non, oh non, oh non, non. Ok, c'est bon, parfait. Oh non, 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 non. Troisième. Plus vite. Ok. Oh là là. Allez, vite, 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 par pitié, donnez-moi un bon item. Non, mais non, mais non. Oh là là là, c'est mort. Allez, s'il vous plaît, un Bilball. Non. Mais quoi? Mais pourquoi il se l'est pas pris, lui? Mais, bon, il y a encore des gens, donc faisons attention quand même. Oh, bébé Mario, tu n'y passeras pas. Oh, sur la ligne, Toadette, tiens. Oh là 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 là. Je sens que la voiture va me bouffer si jamais on termine dernier, quoi. Oh, je suis toujours troisième. Oh, je sauve les meubles, hein, quand même. Hein. Ok, peut-être que je vais avoir la coupe. Ça serait drôle. C'est mort. Pas sur la route arc-en-ciel. En plus, c'est l'une des plus difficiles, tout Mario Kart confondu. C'est mort. C'est impossible. Il y a du vide partout. C'est n'importe quoi. Impossible. Vraiment impossible. Mais je pense que ça va rappeler des souvenirs à pas mal d'entre vous. Parce que la route arc-en-ciel, moi je m'en souviens de Mario Kart Wii, hein. Elle était compliquée. Je m'en souviens encore. En plus, la musique. Alors je crois que c'est droite-gauche. Ouais, c'est ça, droite-gauche. Pour les boosts. Là, voilà, hein, on va éviter les dérapages et tout ce qui s'ensuit. Hein, si vous êtes d'accord. Wouhou! Hop là. Allez. Oui, alors... Là, il faut pas faire n'importe quoi. Tiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Yeah! Allez, Harmony! Ok. Tourne, tourne. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai jamais... Oh, j'ai jamais fait ça dans aucun Mario Kart. Genre, arrêter d'accélérer sur un virage. Ok, tiens. Ah, par contre, c'est simple parce que pour au moins utiliser l'item vers le bas, bah t'as juste à appuyer sur bas quoi. Ouais. Ok, parfait. Ouais, là quand même, on va faire ça. Oh là là, mais les rouges, elles snipent trop bien. Super, premier. Eh bah, dis donc, ça commence bien. Allez, droite, gauche, on n'oublie pas. Droite, gauche. On fait pas, voilà, deux petites figures parce que. Mon dieu. Allez go. Ouais, parfait. En plus elle fait des loopings, Harmony.
Elle a pas compris que c'était un jeu de cartes, elle. Elle croit que c'est genre une course de gymnastique ou je sais pas trop quoi. Gymnastique sur carte. Oh non. Je savais pas comment utiliser l'item derrière moi. Ok, Wario, d'accord. Bah, vas-y, tombe. Moi, je te dirai rien. Allez, une rouge. Une rouge. Oh, un cadeau. Oh, bah tiens, on va l'utiliser là, tiens. Allez, hop. Comme ça, quelqu'un va se le prendre, je suppose. Wouhou! Allez. Oh, j'en ai eu un. Elle a fait la petite animation. Ok, Wario, je le rattrape quand même. Hein. Ok, tiens. Ouais, on fait attention. Oh là là, je suis pas mal en vrai. Hein. Oh, je suis vraiment bon. Oh, la carapace verte, je la sens pas là derrière. Non! Je suis jamais tombé! C'est maintenant qu'il faut que ça arrive! Oh, mais au moins, je suis grand, tiens. Ah, je peux les rattraper comme ça, je pense. Alors, attendez. Peut-être que c'était une stratégie. Allez, dégage. Ok. En plus, je suis vraiment en perso lourd, donc vraiment, je le dégage vite. Et très loin, en plus. Hop. Ça sert à rien, les cubes. Hein. Oh, j'en ai eu un, en plus. C'est parfait. Tourne. En fait, il faut vraiment faire ça hein, pour jouer avec le volant. Mais vous imaginez les joueurs pros, genre, arrêter de tourner dans un virage, c'est pas possible. Ok, parfait. Au moins, ça nous enlève les tâches. Tiens. Allez. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle fout quoi, la rouge? Elle a eu, au moins? Non, elle a même pas eu la rouge. Rien à faire. Ah, doucement. Doucement. Ok, c'est bon. Ouf. Non, 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 non. Je stresse. Allez, elle est nulle. Not bad. Bah oui, c'est pas mal. 33. Oh, je suis troisième. Mais c'est parfait. En plus, j'ai le même nombre de points que Yoshi, je crois. Il doit grave avoir le seum, Yoshi. Oh là là, mais... Mon kart, c'est le meilleur! Pourquoi ils ont pas remis ce kart, d'ailleurs? Il est trop stylé, le kart plan Piranha, là. Ah non, c'était même pas Yoshi qui était derrière moi. Vu qu'il est premier. Mais pourquoi Wario, il est pas premier? Attends. C'est Wario qui était derrière moi? Mais non. Il était premier sur la route arc-en-ciel. Alors, on va voir ça. Eh ouais, je crois que c'est Wario qui était quatrième. Ou Waluigi. Mais Waluigi, tout le temps, il me suit, quoi. C'est abusé, hein. Félicitations. Troisième, ok. Eh ouais, c'était Wario. D'accord. Après Koopa et Waluigi. Eh ben, dis donc. Ok. Oh! Je m'en souviens absolument plus des crédits. C'est trop cool! Oh yes! On a le kart de Fort Piranha! J'avais oublié! Le petit Luma là qui fait la Macarena. Moi, vraiment, dans tous les Mario Kart, parce que maintenant ça se fait plus hein, de faire des crédits pour les Mario Kart, mais je sais que les crédits de Mario Kart DS, je sais pas pourquoi, mais je les trouvais super mélancoliques. Je sais pas si vous vous en souvenez des crédits de Mario Kart DS, mais tu voyais tous les personnages passer devant toi et tout avec une bonne petite musique sur un fond un petit peu jazzy. Et surtout, il y avait un fond un petit peu sépia, genre, c'était vachement touchant, je trouvais. Qu'est-ce qu'il fout, mon Mi? On dirait une musique de shonen. Allez, vous avez le mort tous là, on vous dépasse. Peach dernière. D'accord. Oh, c'est quoi cette musique?
C'est un remix du thème principal. Oh, par contre, il y a une chute de framerate là quand il y a les vidéos. Oh, c'est quoi ces chutes de framerate? Regardez les vidéos! Oh, c'est ouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Eh, c'est juste des vidéos, les gars. Hein. Oh, la Wii, tu vois à quel point elle était pas puissante, quoi. Enfin, vous me direz quand même les crédits de Skyward Sword aussi lagués. Ce qui est paradoxal, hein, parce que c'est quand même juste des images avec du texte et une musique, quoi. Je vais vous laisser avec les crédits, tiens. Vous inquiétez pas, hein, on fera bien évidemment l'autre coupe. Eh ben franchement, plutôt sympa les crédits. J'aime bien la musique. Je m'en souvenais absolument plus. Waouh, oh là là, mon Mi, il est trop bizarre. Genre vraiment, il est aussi grand que Mario, même plus grand que Mario. Il est presque aussi grand que Peach. Il est vraiment difforme. Hein. Alors que pourtant, je suis sûr que dans la vie réelle, je suis plus petit que Mario. Cette photo sur votre bureau, oui, mais oui, pourquoi pas. Voilà, la photo a été affichée sur votre bureau, oui, mais je suis très content. D'accord, ok, allez, tais-toi. Merci. Bon bah du coup les amis, on va faire la coupe éclair. Bon, faut pas déconner, hein, je reprends le Nunchuk et la manette oui, faut pas déconner, hein, c'est bon, on s'est assez marré, en plus je suis arrivé 3ème donc c'est pas plus mal. Alors, je fais au hasard, c'est un roi boue, mais incroyable, j'ai fermé les yeux, hein, je vous assure. Et bah vous savez quoi, j'ai testé du coup le carte piranha, il est vachement stylé en noir comme ça. Ah ouais, avec les petits pétales violets, pas mal. Mais oui du coup, certains d'entre vous m'ont dit que la mécane Bowser était très bien, donc on va l'essayer tout simplement. Et du coup, c'est parti pour la coupe éclair. Let's go, je me souviens absolument plus des courses, donc on va voir. Je crois qu'il y a le jardin de Peach, non? Super SNES, circuit Mario 3. Oui, enfin, Mario Kart Super NES, je me souviens absolument plus de toutes les courses, donc tu pourrais me dire que ce circuit-là, il est de la Super NES. Je ne saurais pas te répondre. Mais en tout cas, Mario Kart Super NES, c'est facile de deviner si c'est vraiment un Mario Kart Super NES ou pas. Le circuit, en tout cas. Mario Kart Super NES, déjà, c'était des tracés assez bizarres. Il y avait aussi ces espèces de Lego de toutes les couleurs, là, au niveau de leur piste. Et il y avait des tuyaux partout. Voilà, c'est comme ça que tu peux reconnaître Mario Kart Super NES. Enfin, un des circuits de Mario Kart Super NES. Et en plus, les musiques étaient nulles. Donc, voilà. Ben, bon, après, c'est de la Super NES, hein. Mais c'est normal que les circuits étaient aussi plats, c'est parce que tout simplement, eh bien, tu pouvais pas faire de relief sur la Super NES. Il y avait ce fameux mode 7 qu'avait la Super NES qui pouvait faire bouger les sprites dans un espèce de 3D, mais bon, c'est quand même assez bizarre de vous dire ça comme ça. Je vous conseille d'aller voir des petites vidéos sur la Super NES, etc. Et de taper mode 7 Super NES et vous comprendrez sûrement qu'est-ce que je veux dire. Mais voilà, la Super NES, du coup, et le mode 7, ça marchait du coup avec Super Mario Kart, ça marchait avec F-Zero, ça marchait aussi un petit peu avec Super Mario World, voilà, Mario World, qui avait un petit peu des effets du mode 7. En fait, le mode 7 permettait aussi de faire bouger des sprites et de les tordre. Donc c'est pour ça que... Oula. Oui, non mais d'accord, un item qui nous défonce tous les quatre, quoi. Surtout mon item qui me défonce à moi, c'est pas un bon item. Bon, bref.
Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, donc ça permettait de modifier les sprites. Et de les faire bouger, entre autres. Ok, toi tu dégages. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite bébé Daisy, là? Allez, super, quatrième, bon, ça me va. Ouais, mais de toute façon, les circuits Super NES, je les aime pas, donc c'est pas grave. Ok, 8 points. Avec le petit roi Bou. Mais c'est cool, au moins on joue des persos sympas, hein. Et en plus, je l'ai fait totalement au pif. Mais c'est con qu'il n'y ait pas un bouton aléatoire. Ah oui, donc je me disais bien qu'il y avait le jardin de Peach. Bon, c'est pas un de mes circuits préférés de la DS, mais je sais qu'il est cool, ce circuit. Il y a des petits chomps qui nous suivent, etc. Il est pas revenu dans Mario Kart 7? Je sais plus. Non, je crois pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. En fait, mon anecdote, c'est par rapport à la map de ce circuit sur Mario Kart DS. En fait, dans ce circuit, à la fin, il y avait un truc assez drôle, enfin, qui m'amusait, moi en tout cas, quand j'étais petit. C'était que l'un des jardins, bah, ça faisait les oreilles de Mickey. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est stupide, hein. Voilà, c'est ici. Regardez, on dirait les oreilles de Mickey. Mais tu le vois pas sur la map. Alors que, pourtant, on dirait vraiment trois ronds, quoi. Les Topitop qui étaient d'ailleurs en 2D dans Mario Kart DS. Mario Kart DS, en fait, le problème, c'est que le jeu est moche. Et les items sont tous en 2D. C'est très bizarre. Ça fait un peu de la 2D-3D. Enfin, non, c'est de la 2D-3D. Et c'est très bizarre, quand même, hein. Mais Mario Kart DS, j'aimerais bien le redécouvrir avec vous. Ça serait drôle, ça. Franchement, ouais. D'ailleurs, je connais pas mal de raccourcis sur ce circuit, parce que je l'aimais quand même pas mal. Mais d'ailleurs, il était dans les premières courses de Mario Kart DS, celui-là, je m'en souviens. Ok, tiens. Ça sert à rien, le Bloops, contre les IA. Dans Mario Kart DS, je sais que ça les faisait bouger, genre ils aimaient pas du tout. Allez, hop. D'ailleurs, dans Mario Kart DS, je faisais tout le temps du hors-piste. Je kiffais le hors-piste. Le petit Waluigi, qui est nul. D'ailleurs, ils ont rajouté des petits tremplins, hein, vous l'avez vu. Allez, tiens. C'est qui? C'est Bébé Peach. Enfin, Bébé Daisy, plutôt. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est long, par contre, j'ai l'impression. C'est ouf, hein. Ce circuit-là, vous voyez, dans la version miroir, il est très perturbant. Parce que bah, tout est inversé, et vraiment, vu que moi, je connais le tracé, pas par cœur, mais je le connais très bien, c'est très perturbant, vraiment. Enfin, tous les circuits sont perturbants en miroir, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas nouveau. Ok. Allez. Ok, on fait attention à lui. Ok, bah, magnifique. Je demandais pas un cadeau, mais pourquoi pas. Oh là là, l'item incroyable. Franchement, je me suis pas entraîné sur Mario Kart Wii et j'ai l'impression que je me débrouille mieux qu'avant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les pros de Mario Kart Wii, n'hésitez pas. D'ailleurs, je suis très content que les vidéos Mario Kart Wii vous plaisent. Hein. Vraiment, je m'attendais pas du tout à avoir un retour comme ça. Mais je suis vraiment très content que ça vous plaise. Et franchement, je suis extrêmement content que mes vidéos sur Mario Kart Wii vous plaisent. Parce que, en fait, c'est un jeu qui m'a marqué, tout simplement. Et bah, j'aime bien vous proposer du contenu sur des jeux qui m'ont marqué. Et ce Mario Kart Wii en fait partie. Et je suis content, tout simplement, que ça vous plaise. Alors, la montagne GameCube, enfin, montagne DK de la GameCube, j'aime beaucoup ce circuit. Vraiment. Il est très, très cool. Ouais, il est vraiment super sympa. Il est super original aussi. Parce que, genre, vous allez voir, tout a des yeux, en fait. Et c'est un petit peu, genre, l'ambiance Rare. Parce que Rare, à l'époque, quand ils s'occupaient des Donkey Kong, ils aimaient bien mettre des yeux à tout, quoi. Au tonneau, enfin, surtout dans Banjo-Kazooie. Un petit peu dans Donkey Kong, même si pas beaucoup. Mais en fait, Rare adorait foutre des yeux sur plein d'objets différents. Là, vous voyez, le volcan a des yeux et une bouche. Et c'est pareil, par exemple, dans Conker, tout a des yeux et une bouche. Genre, il y a même, comment ça s'appelle ? Il y a un volcan là-bas, je sais pas ce qu'il fait. J'ai toujours cru qu'il envoyait des signaux, mais en fait non, il fume, hein, tout simplement. Genre vraiment, je pensais qu'il envoyait des signaux. Et ouais, donc comme je vous ai dit, tout a des yeux et une bouche. Et le pire, c'est dans Conker. Dans Conker, vraiment, tout a des yeux, vraiment. Ça peut être genre une liasse de billets, ça peut être genre un râteau, des pots de peinture, un pinceau, même une ruche d'abeille, du caca, oui. Oui, dans Conker, il y a un boss caca. Il a des yeux et une bouche. Et il chante. Il s'appelle le Great Mighty Pooh. Et c'est très drôle. Mais bon, Conker, c'est Peggy 18. Hein. Allez, go. C'est parti. Ce circuit, il est assez court quand même. En fait, j'aime bien ce circuit parce qu'on descend d'une montagne. Et je trouve ça vachement cool. Boo, par contre, on dirait une toupie, genre vraiment. Ok. Et la musique est super sympa. Bah, d'ailleurs, c'est pas la même que...
dans Cascade Yoshi. Bah ouais, je crois que c'est la même musique, hein. Ils se sont pas foulés. Ok, merci. J'entends, ils sont derrière, hein. Ok, d'accord. Super. Magnifique. Allez, go. Je sais pas si j'en ai eu un. C'est super facile de snipe des gens sur ce... comment ça s'appelle ? Sur ce pont, parce que vu qu'il est en ligne droite. Ok. Magnifique. Allez, go, go, go. Allez ! Allez ! Voilà. Let's go. Bon, ça va, ils sont quand même assez loin. Enfin, quoique, quand même, hein. Wouhou ! Ok. D'accord, bébé Daisy. D'accord, Peach. T'inquiète, la toupie Roibou va vous attraper, vous allez voir. D'ailleurs, ce circuit, il y a des trucs vachement impressionnants sur le contre-la-montre. Parce que vraiment, ils volent carrément les gens quand ils font ce circuit en contre-la-montre. Déjà, ici, tu peux passer si t'es un champi, t'es pas obligé de faire le contour comme moi je fais. D'accord, ok. Elle, je pensais qu'elle allait m'avoir. Tiens. Oh, dommage. J'ai failli avoir bébé Daisy. Non, même Peach. Non, c'était Peach. Ok. Parce que sur la map, je voyais pas qu'il y avait Peach. Parfait. Et c'est quoi le dernier? Bah, c'est pas le château de Bowser. On n'a pas fait le château de Bowser, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Château de Bowser de la Nintendo 64. Ils l'ont totalement refait, hein, ce château. C'est ouf. Genre, vraiment. Déjà, j'avais aucun souvenir de ce château dans la Nintendo 64. Mais là, ils l'ont vraiment totalement refait. Et c'est impressionnant, quoi. Mais j'aimerais bien qu'ils refassent le château de Bowser de la DS. Parce qu'il était vraiment trop cool. Parce que, en fait, le château de Bowser de la DS, c'était limite plus genre un jeu de plateforme qu'un jeu de course, quoi. Vraiment, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a toute une théorie sur ce circuit. Parce qu'il y a un tronc enfermé, là. Et en gros, les gens se demandaient pourquoi il était enfermé. Et il y a toute une histoire par rapport à ce trompe. Oh là là. Ouais, les gens se sont un petit peu amusés par rapport à ça. Oh là là. Ok, d'accord. Franchement, le gars a super bien placé sa bombe. Ok, Funky Kong. Funky Kong, on l'aura pas joué, c'est dommage. Allez. Il y a des tableaux de Bowser. Incroyable. Bowser, il est vachement mégalo quand même, hein. Wow, déjà il construit des châteaux à son effigie. Mais pourquoi? Pourquoi? Attends, pourquoi le bloc pot n'a pas marché? On est d'accord, le bloc pot n'a pas marché, hein. Tous les gens devant moi, ils n'ont rien eu. C'est stupide, enfin, vraiment, je comprends pas. Ok. Super. Ouais, allez, on va faire ça là maintenant. Quoique, ouais, allez, on va le faire. Go, 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 dégage. Allez, hop. Super. Parfait. Ok, il y a... Non. Vous avez pas le droit de faire ça. J'ai l'impression que les tombes s'activent quand je passe et pas quand les ordis passent. C'est bizarre, ça. Ok. Oh, non. Allez, go. Oh, non, 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 non. Je fais n'importe quoi. Bon, ça va, j'ai encore un tour pour me rattraper, mais bon, quand même, quoi. Ouais. Ok. C'est qui devant là? C'est Bowser Junior. Oh mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas récupéré l'aspiration là? Oh. J'essaie de faire des techniques de speedrun. Genre avoir plusieurs boosts sur le même virage. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Allez, go, go, go. Vite, on va rattraper. C'est qui ça? Ah, c'est Bowser Junior. Ok, bah tu dégages. Voilà, cinquième. Parfait. Oui. Mais le bloc pot, il marche pas. Ah, si. Mais si, c'est bon, ça marche. Mais en fait, le problème, c'est que voilà, ils connaissent la technique, hein, les ordi en 150. Pff, là, je pouvais rien faire. Déjà, j'avais même pas vu la carapace. Prenez pas tous les objets. Voilà, merci. Allez. Oh là 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 là. Ok, tiens. D'accord. Ok. Super. Non, j'ai pas pris les bons items. Oh là là, oh non. C'est mal parti, hein. Je suis quatrième, je risque pas d'avoir le podium, je pense pas.
Allez, la technique de speedrun. Voilà, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Non. Oh. Ah, j'ai cru que c'était un champi. Mince. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Ils sont arrivés où? Mais d'où? D'où ils m'ont dépassé comme ça? Ok, 45, c'est bon, je suis deuxième, ça me va. On va pouvoir récupérer notre petit trophée, incroyable. Oh, en plus elle avait le coin-coin. Vous voyez, ça c'est ouf. Ce véhicule est ouf, le coin-coin, c'est le meilleur, c'est tout. Vous voyez votre pauvre bécane Bowser là? Elle est pas ouf, hein? Eh ben voilà! Qu'est-ce qu'il fait, Roibou? Il se tape la tête! Ok, d'accord. Oh, il est stylé le trophée! Oh, il est trop beau! Super! Ben voilà, 45 points! Ah, on se termine sur les crédits? Oh non, quand même! Ouais, non, on va pas se terminer sur les crédits. Voilà, incroyable. Oui, on affiche ça sur le bureau, oui, je m'en fiche. Allez, taisez-vous. Merci. Bon, et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart. Oui, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. On se retrouve, et bien écoutez, pas prochainement pour une nouvelle vidéo de Mario Kart. Oui, parce que je pense que j'ai terminé la série. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes sur le jeu, peut-être en multijoueur. Mais je vous promets rien. Je vous promets rien. Pensez que la série est terminée comme elle est, c'est très bien, on a bien apprécié les moments qu'on a passés dessus. Et puis peut-être, si jamais, on reviendra sur le jeu avec d'autres personnes pour rigoler un bon coup sur le mode bataille ou sur les courses. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.